crocodile et la brosse à dents. Livre réalisé par les élèves de BA02 de la Croix-Blanche-Bertry. Les auteurs Adrien, Sarah, Jonathan, Anne, Maxime, Logan, Nicolas, Héloïse, Manon, Jean, Carmanon, Amri, Mathieu, Céline et Madame Laureline. C'est l'histoire d'un crocodile qui s'appelle... Il vit sur une île juste à côté de l'Afrique du Sud. Les passions d'Émile sont se brosser les dents et aller nager dans la mer pour se laver et être propre. Un jour, Émile perd sa brosse à dents. Dans la mer, il la cherche longtemps, puis il entend une petite fille crier. Qui a perdu sa brosse à dents? Émile se dépêche pour récupérer sa brosse à dents auprès de la petite fille, mais celle-ci est loin, loin, loin. Elle se trouve sur un bateau de pirates. Quand il arrive à destination, la vie n'est plus. Émile, très triste, c'est alors il a une idée. Il met ses lunettes magiques pour la rechercher. La petite fille se trouve en Afrique du Sud. Émile fonce la rechercher et l'aperçoit et crie très fort. C'est à moi la brosse à dents. La petite fille est surprise que la brosse à dents appartienne à un crocodile. Un crocodile, ça se lave les dents? Demande celle-ci. Ensuite, elle lui demande comment il s'appelle. Je m'appelle Émile, et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nina. Pourquoi un crocodile a-t-il besoin de se brosser les dents? Simplement pour avoir des belles dents blanches et un beau sourire. Tiens, je te la rends. Je vais aller en acheter une pour un dos si belle dents blanches que toi. Je vais l'acheter avec toi, mais il ne faut pas oublier le dentifrice. Après avoir acheté tout cela, Nina remercie Émile en lui disant que sans lui, n'aurait jamais eu de belles dents blanches. C'est bon, maintenant je peux me brosser les dents. Inscrivez-vous et retrouvez toutes nos émissions sur notre site www.maclassefaisatelier.be.